Eh bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Galius et aujourd'hui on se retrouve pour le 16e épisode de Pokémon X. Et la dernière fois, il fallait se rendre dans cette tour, qui est là donc la tour maîtrise. Eh bien on s'y rend tout de suite. Après avoir battu Cornelia, va ma petite Core, l'héritière des secrets de la méga évolution t'attend au sommet. Mademoiselle, je suis sûr qu'en rivalisant avec Kalem, tu vas devenir encore plus forte. Hihi. Allez, c'est parti, on va se rendre au sommet de cette tour. Génial. Qui me fait vachement penser à la tour des cieux. Hein. C'est. Attendez, je passe trop vite. Je regarde même pas mon écran. C'est pas bon. Le vrai nom de Pépé Evolution, en fait, c'est Cornelius. D'accord. Ah, Cornelius, Cornelia. D'accord, donc on nous parle des pierres, des méga évolutions, des méga gemmes. Donc si j'ai bien compris, il faut un anneau, il faut que le dresseur ait un anneau pour faire en fait, pour activer donc la méga gemme du Pokémon. Les méga évolutions ne constituent qu'une possibilité parmi d'autres. Les Pokémon n'ont pas besoin d'elles pour être craquants comme tout. Pépé Evolution, il paraît que c'est le descendant du premier mec qui a réussi à faire méga évoluer un Lucario. Rio. D'accord. D'accord. Eh ben, elle est haute cette tour. Merci de ta visite, je t'en prie, reçois ceci. Balayette! Donc, plus le Pokémon est lourd, plus l'attaque infligera des dégâts. Une idée vient de me passer par la tête. Les gens imaginent tant de façons de révéler la puissance des Pokémon. Se pourrait-il que ce soit un message pour nous inciter à explorer toutes les possibilités de la vie? Il paraît que le professeur Platane s'est entraîné ici dans sa jeunesse pour étudier les méga-évolutions. Découragé par son manque de talent, il l'aura abandonné. Ah bon? Il a un manque de talent, ce gars? Ce professeur? Waouh. Ça fait limite. Ça donne le vertige, on va dire. Hey Cornelia, ça fait quoi d'être battu? Quand je regarde le ciel, je me sens toute chose. Je sens que mes Pokémon et moi, on peut tout faire, tout réussir. J'adore cet endroit. Bon, je m'excuse encore pour tout. Je t'ai fait avaler des kilomètres, je sais. Mais pour recevoir le méga anneau, il faut venir ici, c'est la règle. Pour pas oublier qu'il faut viser toujours plus haut. Et voilà ton méga anneau. Donc voilà, c'était le méga anneau, c'est pas l'anneau. C'est un méga anneau. Vas-y, tu le mets. Aranya enfile le méga anneau sur son bras gauche. Ah oui, d'accord, c'est un bracelet. C'est pas. Moi je voyais genre là, qu'on le mettait ici. Enfin, sur l'annulaire, quoi. Anneau annulaire, c'est normal. Hein. Non, c'est carrément un bracelet, d'accord. Pour faire méga évoluer un Pokémon, il faut lui faire tenir une méga gemme. Ensuite, pendant le combat, tu devrais voir si ton Pokémon peut méga évoluer. Lucario, qu'est-ce qui te prend? Rio. Tu préfères te battre à ses côtés, Lucario? Rio. Mince, Lucario se sent plus proche d'un dresseur de passage que de moi. Bon, ça fait mal à entendre, mais il n'y en a pas deux comme toi. Allez, prends mon Lucario avec toi et battons-nous. Moi aussi, j'utiliserai un Lucario. Ça sera un combat en un contre un comme deux pros avec le même matériel. En plus, ils tiennent tous les deux une Lucarite. Ouais? Je sais pas ce qui motive ton Lucario, l'envie de gagner contre un autre Lucario? Ou peut-être que tu dégages quelque chose qui l'intrigue ou le fascine? Attention les amis, nous allons commencer par un match complètement épique. Bon, on peut y aller? Lucario, à toi de jouer. Ok. Eh ben écoutez, on va le faire méga évoluer directement. La première méga évolution. Ah oui, donc je le fais méga évoluer, ensuite je choisis l'attaque, c'est vrai, j'ai oublié. Bah écoute, ça peut être compliqué. Point boost, ça peut être pas mal là. Waouh. Il est bien fait, franchement, méga Lucario est vachement bien fait.
Ah, c'était marqué méga gant, je crois. Aïe. J'ai failli me faire buter. Mais d'une force. Pourquoi le sien était plus fort? Enfin, moi je suis plus rapide en tout cas, mais... Tu t'entends vraiment bien avec les Pokémon, c'est génial. C'était un sacré combat à double méga Lucario, et nous, on a donné tout ce qu'on avait. Ton amour pour les Pokémon te permettra de contrôler les méga évolutions, c'est sûr. Luca, Pilux, ça te dirait pas de prendre Lucario avec toi? Vous faites un duo de compète. Luca, Lucario vaut des visages. Voulez-vous l'accepter dans votre équipe? Non. Non, mais bien sûr que je veux t'accepter. Attends. Il n'y a plus de place dans votre équipe. Veuillez choisir un Pokémon à envoyer dans l'une de vos boîtes PC. Allez, va-t'en. Lucario. Non. Tant qu'un dresseur et ses Pokémon peuvent se donner du courage, tant qu'ils sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes devant leur adversaire, le monde ira comme sur des roulettes et sera rempli de sourires. Luca. Voilà, j'ai un Lucario. Alors, je pense qu'il doit être bon en vitesse, hein, ça c'est sûr. On va voir un petit peu ses stats. Voilà, c'est évident. Ça augmente la vitesse. Attends, ouais, impassible. Augmente la vitesse quand le Pokémon a peur, donc ça je connais. Donc, sa nature qui est pressée. Donc, voilà, pressée. Donc, il augmente sa vitesse et baisse sa défense. Point boost qui est une attaque plutôt pas mal. À force de frapper, les points deviennent plus durs. Augmente l'attaque du lanceur si l'ennemi est touché. Dans cela, bon, on connaît, Stridoson, on connaît, et Chargeos également. Très bien. Bon, mais c'est cool. Bah écoutez, on va vite fait... Attendez. On va quand même redescendre par là. J'aurais bien utilisé téléportation, mais... Je vais voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant, même si je pense pas. Allez, plus vite que ça. Plus vite. Encore plus vite. Ouais, j'en fais partie, je sais. Ah, écoutez, on va aller là. Non, il n'y a rien du tout. Bon, ben, sortons. Ouais, bon, toi t'as rien compris à la vie. J'ai un Pokémon avec une méga gemme, mais c'est pas grave. Bon là, je vérifie, y a pas de... Je crois qu'on m'avait dit qu'il y avait... Ah oui, je suis comment, moi. Ah d'accord, il était là. Max repousse. C'est chouette. Il y en a un qui m'a dit que j'avais raté... Ah ouais, dans la grotte, il y a une méga... Il y a une... Attendez. Il y a un objet quelque part, là. La poussière étoile. Non, on m'a dit que j'avais raté l'Alakazamite. C'est compliqué, ces mots, hein. Non, lui, j'ai déjà parlé. Alakazamite. Ok. Est-ce qu'il y a besoin de les soigner ou pas? Je pense pas. Non, bah écoutez, on va garder Lucario pour le moment, mais je le garderai pas dans mon équipe parce que... Hein? Oh, contre une pierre soleil. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce que je disais déjà? J'ai oublié.
Ah non. Je sais plus ce que je disais. Voilà, je suis vraiment désolé, je sors de 2 journées de partiel. Donc partiel, en fait, c'est des contrôles qu'on a à la fin d'un semestre après le bac. En fait, c'est ce qu'on appelle ça des partiels. Et voilà, je suis un petit peu fatigué, c'est pour ça. Tiens, j'ai un truc pour toi. Oh, bah alors, ça, c'est vachement utile. Ah bah oui, ah bah écoute. Ça va être très très bon pour mon ninja. Qui va pas tarder à évoluer d'ailleurs. Non, c'est pas là. On va. Barre numéro, voilà. Allez, surf. Pas mal. Tac. Ouais. Alors, surf 90. Malheureusement, je tape beaucoup dans le spécial, c'est dommage. Bon, écoutez, je vais enlever Vibra quoi. Pour rendre confus, mais bon. Ça rend confus très rarement. Donc j'enlève ça. Non, c'est bon. Point boost, ça c'était pas mal aussi. Il n'y a que Ninja qui peut la prendre. Je regarde un petit peu ce qu'on peut apprendre. S'il y a des bonnes attaques. Bon, ok, c'est bon. Allez, on y va. Ah, j'ai trop envie de voir comment ça fait le surf. Mon Pokémon is in the pool. Je suis on the canapé. Mais on est en France, ma chérie, il faut parler français. Bonjour. Toute la journée doit dire ça. Bonjour, cette route mène à la route 12. Oh, bien ça. Non, je veux un low class. Écoutez, on a le temps, vous avez le temps, vous aimez les épisodes longs, j'ai remarqué. Donc, je vais aller déposer un Pokémon dans le PC, parce que je suis obligé. Pour aller récupérer ce low class. Que c'est d'ailleurs un Pokémon que je ne prendrai pas, a priori, dans mon équipe. Écoutez, on va déposer Lucario. Voilà. Et c'est parti. On va récupérer l'eau classe. Guimet. Ouais. Vous avez reçu l'eau classe. Et toujours un petit clin d'œil à la première génération. J'ai pas fait exprès, j'ai pas nommé. C'est pas grave. Toujours un petit clin d'œil à la première génération où on obtenait un low class, il me semble. Dans le. À Safrania. Dans le. Dans SARL. Dont je ne sais plus le nom exact. Alors, bon, t'as une mauvaise nature, c'est pas bon. Récupère du PV si touché par une capacité haute, donc ouais, Absorbo. Ok, low class. Vibre à quoi, plaquage dans suie, requiem. Très bien. Bon, on va te garder pour le moment. C'est parti, allez, on va voir ce qu'il y a dans ces herbes. Oh, Scarabrut. Lui, je sais qu'il a une méga évolution. Ben, on va l'attraper. Alors, toi, tu dois être. T'es insecte. Je crois que c'est tout d'ailleurs. Il me semble bien que t'es insecte. Casse-brique. Bon, non, c'est pas, ça fait pas mal du tout. Ok. Allez, sac. Pokéball. Bon, toi, je sais que je vais pas trop te garder, donc on va dire. Super Ball, ça serait cool. Si tu pouvais, ça serait nickel. Non, ben non, tu veux pas. Je sais pas s'il est rare, je pense pas. Je pense pas qu'il soit un Pokémon rare. Avant, il était rare, par contre. Mais là, je doute. Bon, allez, hyperbole. Non, t'es sérieux? Comment ça se fait? Il se fait laisser pas attraper. Moi, je peux plus t'attaquer, mon petit. Bon, écoute, c'est ma dernière. Hein. Si tu veux pas, je te quitte.
Oui, c'est bon. J'ai eu de la chance. Je pensais pas l'avoir là, franchement. Qu'as-tu monté niveau 33, d'accord? Scarabrut. Bah super. Transféré dans la boîte numéro 2. Bon, là on va voir ce qu'il y a d'autre. Ah, là il doit y avoir un objet. Au fond, je suis quasiment sûr qu'il y a un objet. Il y a un gros trou. Oh, Pachirisu. Pachirisu. Pachirisu, Pachirisu. Pachirisu, je sais pas quoi, vous l'appelez comme vous voulez. Je l'appelle Pachirisu. Ouais, du miel. Génial. J'ai toujours pas utilisé d'ailleurs ce miel pour attirer les Pokémon. Oh, Pijako. Pijako, est-ce que... Ah, oh, j'ai bien envie de l'attraper. Ouais, je pense une Pokéball. Je sais pas le taux de capture de ce Pokémon, mais... Je pense pas qu'il soit bien haut. Enfin, bien bas plutôt. Allez, une petite Pokéball, ça devrait aller. Allez, 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 allez. Tu m'énerves. Tu m'énerves beaucoup, Pijako. Le truc, c'est que j'ai pas beaucoup d'hyperboles. Enfin, j'en ai plus d'ailleurs. J'ai plus que 5 Pokéballs là. Une. 2, 3. Oui, capturé, c'est bon. On l'a. Pijako. Ouais, bon, je pense pas que non plus ce soit un Pokémon rare. D'ailleurs, prochain épisode, il se tournera. Enfin, ça sera tourné avec Pyrux. L'épisode donc 17. Bon, voilà, c'est bon, j'ai assez suffisamment regardé ce qu'il y avait dans les herbes. Ah mince, je pensais qu'on pouvait aller là-bas. Ok, donc là, on va aller là. Maintenant qu'on a surf. D'accord, donc c'est la baie Azur. Bon, écoutez, je vais éviter le combat. Je n'en voudrais pas. Enfin, quoique, bon, allez, on va le faire parce que c'est dans l'eau, allez. Ah, tiens, là. Oh, c'est vachement bien fait. C'est bizarre parce que quand on nage, en fait, on a l'impression d'avoir du mal à nager. Avant, c'était beaucoup plus fluide et là, on a l'impression que le Pokémon il est fatigué, quoi. Bon, par contre, on surfe pas, bien évidemment, sur le Pokémon. Oh non, il dort. Qu'est-ce qu'il va faire, pic toxique? Bon, c'est pas très grave. Allez. Non, il ferme les yeux. Enfin, elle ferme les yeux. C'est bien ma petite, mais bon, il faut. Bon, voilà, l'autre il en profite. Hein. Forcément, mais bon, quand je vais te toucher, bon, tu vas plus faire le malin. Allez, c'est parti. Voilà, KO. Ah oui, il fallait que je vous montre quelque chose aussi. Hopper Mine. Il doit être roche et haut, lui. Faille magique, ça te dit ou pas? Ouais, il doit être roche et haut. Ou peut-être. Non, allez, non. Non, je pense roche et haut. Tu vas prendre quoi, entière? Lanceur jette toutes sortes de projectiles à un ennemi. Si le dernier vol, il tombe au sol. Écoutez, on va enlever les chouilles. C'est pas terrible. Je vais vous montrer comment avoir le fond jaune en dessous. C'est ce que j'ai trouvé bon au début, enfin au début du jeu. Ça fait un petit moment déjà. Donc il faut aller dans le menu, dans les options. Et là, vous avez fond combat, vignette. Enfin voilà, fond combat. Et là, vous choisissez ce que vous voulez. Donc le mien, c'est vignette Pokémon. Donc vous avez plein de petits Pokémon lorsque vous choisissez vos attaques. Ouais, quoique, non, en fait, j'ai rien dit. C'est assez fluide, c'est agréable. Ça change. Tentacool. Ok, Tentacool. Allez, petit choc mental. Ouais, cet épisode, ça va être un peu plus lent que. Enfin, un peu plus long, on va dire, que d'habitude. Je vais un peu plus prendre le temps.
que je sais que ça, certains se plaignent. Il y a un truc qui brille là. Est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous pensez que si je pêche, il y a un shiny? Bon, attendez, vite, on va pas... Ou ça a rien à voir. Oh non, pêche pas là! Idiote. Non, il y a rien. Ok. Recule un peu. Là. Non, mais c'est un hasard, hein, je suis sûr. Mais tu sais pas pêcher devant toi? Qu'est-ce que tu pêches à côté? Love 10 tout pourri. M'en fous de toi, dégage. Mais je suis sûr que ça brille, c'est qu'il y a un truc, il y a quelque chose là. Et place-toi bien, voilà là. Là c'est nickel là. Il peut pas. Tu peux pas pêcher devant toi. Non, bon, bah, attendez, on essaye une dernière fois parce que je veux vraiment en avoir le cœur net. Ça se trouve, c'est juste un reflet sur l'eau, du soleil. Enfin, bon, ça se trouve, c'est ça. Mais c'est quand même bizarre. C'est très bizarre. Non, arrête. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mince! Peut-être comme ça? Putain, ça me... Franchement, ça me... Mais bon sang, mais... Pêcheur... En fait, c'est pas possible de pêcher là, je pense. Quoi? Attendez, là... Ouais, je pense que c'est pas possible, c'est pour ça. Bon, c'est pas grave, je pêche une dernière fois. Ouais, bah, voyons, va pêcher là-bas, toi. Ouais, c'est pas grave. Allez, continue. Bon, là, y'a rien. Ouais, toi, c'est un combat, j'ai pas envie. Ranch cabriolène. Oh, brrr, le cabriolène est endormi. Oh, je peux te monter? Oh oui! Énorme! Oh! Ah oui, c'est pas le rhinocorne là. Waouh! Et je peux partir du ranch avec? Au revoir! Ah non, je peux pas! Ah, c'est trop bien! La musique est marrante aussi. Oh, il est mignon, Cabriolène. Franchement, il est cool, ce Pokémon. Oula. Ouais, c'était marrant, c'était marrant. Bon, c'est juste ça, de marrant. On va aller voir le fermier. Ou la fermière, j'en sais rien. Bah non, aucune des deux. Aucun des deux. Il est impossible de ramasser des objets tout en restant à dos de Cabriolène. Et essayer, c'est un manque de savoir-vivre. Pourquoi c'est un manque de savoir-vivre? Je suis très attiré par les cabriolènes. Si tu veux comprendre ce que je ressens, essaye ça. Attraction. Bah écoute, si t'aimes autant que ça les animaux, il y a un petit souci. Ah, ils sont mignons, mais moi je le veux pour toujours en fait. D'accord, bon, ça sert à rien. Il y a un ranch, mais bon, c'est pas trop à quoi ça va mener. Et des 9-9. Je me souviens qu'une fois, j'avais appelé ça 9-9. Il y avait une amie qui m'avait dit... Attendez, non, eux, ils sont psy déjà. Elle m'avait dit, ouais, 9-9, elle s'était moquée de moi. La méchante. Alors qu'en fait, c'est 9-9. 9-9. Moi, j'étais petit, hein. Je devais avoir quoi, 17 ans? Non, c'est pas vrai. Non, je vais avoir 12 ans. Ouais, bon, c'est peut-être l'âge de certains d'entre vous. Hein. Mais pour moi, c'était petit. Écoute, tu m'embêtes. Voilà. Tu m'as endormi en plus, je suis pas content.
C'est pas grave, je suis pas très veillé. Bon, on va quand même voir ce qu'il y a d'autre, à part des nœuds neufs. Moi, je sais que c'est un Pokémon intéressant, je peux revenir. Là, il y a une neuf. Bon, Scarabouille, bon, voilà, il n'est pas rare. Brise-moule, d'accord. Super. Y a-t-il quelque chose d'autre d'intéressant? Ouais, vous savez, les épisodes ne sont pas forcément très intéressants. Tous en tout cas. Les épisodes doubles, bon, généralement ils sont plus intéressants, plus amusants, plus divertissants, plus tout ce que vous voulez. Parce que voilà, on est deux, on met un peu plus l'ambiance. Bon, là, étant donné que je suis un petit peu fatigué, mais bon, c'est pas. Ah non, hein. C'est pas. Je veux dire, c'est ma faute, je veux dire, je veux pas. Je suis au maximum, enfin, je suis au maximum. Bon, maximum, maximum, mais je veux dire, je me donne à fond pour faire l'épisode. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors, écoute, ce qu'on va faire... Bon, écoute, feuille magique. Puis si ça te tue, c'est pas grave. Ouais, mais attends, c'est pas grave. Je le recapturerai une prochaine fois. Ces gros meumeux, là. Voilà, bah, donc aujourd'hui, ce sera une route, des captures, quelques combats. Puis on arrivera jusqu'à la ville, ça, c'est sûr et certain. Oh, Tauros. Tauros, Tauros. Toi, tu méga évolues, non? Je sais plus. Poursuite. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi le Pokémon dans la Bouffalan, enfin, c'est Bouffalan, ça doit être en français. En anglais, je veux dire. Bouffalan n'est pas l'évolution de ce Pokémon. Alors que pourtant, c'est un gros taureau, hein. Non, c'est un bison, pardon. C'est un bison. Je sais pas, ça aurait pu faire guise de... d'évolution, mais non, Nintendo n'a pas voulu. Il y avait un autre aussi, le gros poisson, là, l'évolution de Love Disc. Enfin, l'évolution. Moi, je voyais ça comme l'évolution de Love Disc. Pareil. Tu fais quoi, là? Tu fais quoi? Tu ne me touches pas. Oui, capturé. Et hop, Tauros attrapé. Ok, super. Voilà, un Pokémon en plus dans le Pokédex. Ça, c'est chouette. Après s'être fouetté avec ses trois queues pour augmenter son agressivité, il charge, d'accord. Eh ben... se fouette lui-même. Drôle de Pokémon. Bon. Bon, il y a l'air d'avoir pas mal de Tauros en même temps près d'un ranch, ça m'étonne pas. Ah, celui-ci a intimidation, d'accord. Mince. Non, non, non. Voilà. J'essaye de... d'appuyer plus ou moins au pif. Ça marche pas toujours. Ok, alors la suite. Là, il y a la Pokéball, je crois. Voilà. Ah mince, j'ai laissé mon Emolga. Combat. Bonjour, mademoiselle Maïmata. Pas très français, ça, Maïmata. C'est vipère, bah ça tombe à pic. Petit choc mental, mon avis, KO. Au moins qu'il ait une super bonne défense spéciale. Non. Ouais, c'est bon. Et ensuite, ça amène qui? Coup de lame. Non, bah non. Coup de lame, c'est mon Pokémon, ça. Ah non, encore toi. Choc mental. Plaquage. Aïe. C'est pas étonnant. Hein. Est-ce que j'ai une attaque combat quelque part? Non, j'ai rien. J'ai pas attaque combat, moi. Coup de lame, il n'est pas attaque combat, ninja non plus. Écoutez, on va amener Pikachu. Toujours avec sa balle lumière. D'ailleurs, que je conserverai. Je vous l'ai dit, hein, je ne ferai pas évoluer en le Pokémon qui est en bas à droite. D'ailleurs, on le voit. Hein. Mais c'est vrai qu'ils sont tous là. Il y a Emolga, Raichu, Deden, Pikachu, Posipi, Negapi, Pachirisu et Pichu. Tous les Pikachu. Et s'ils avaient tous un lien?
Si ça se trouve, ils ont un lien. Parce que je sais que Nintendo a un jeu en préparation. Et c'est en rapport avec Pikachu. Est-ce que vous pensez que il y aurait une histoire entre tous ces Pokémon et Pikachu? Franchement, ça serait intéressant. Je trouve que ça rajouterait un petit peu d'intérêt à Pokémon. Et surtout, j'aime bien quand il y a des histoires comme ça, un petit peu cachées, on va dire, dans le jeu. Je sais plus d'ailleurs comment ça s'appelle. En tout cas, il y en a pas mal, genre par exemple Attendez, laissez-moi réfléchir. Par exemple, voilà, le Mélodelphe. On dit que si le Mélodelphe est mort, ça devient un ectoplasma. Voilà, s'il meurt, on dit que ça devient un ectoplasma parce qu'il a la même silhouette. Bon, voilà, ce sont des histoires. Bon, est-ce que tu peux te réveiller par contre? Ouais, bah détection tant que tu veux, écoute. Si tu vois. Ah ouais, non, mais ouais, qu'il fait ça parce qu'il a turbo. Et ouais. Donc sa vitesse augmente à chaque tour. Ah bah tiens, tu. Écoute! C'est très bien, tu m'as réveillé. Ça c'est génial, merci Yanma. J'en demandais pas tant. Est-ce que vous pensez qu'avec Vive Attack je peux faire quelque chose là? Ah bah j'ai pas Vive Attack. Au moins c'est réglé. Voilà. Pac. Non mais franchement l'histoire avec le Pikachu ça serait sympa. En tout cas, si le jeu sort sur Wii U, forcément je l'achèterai pas parce que j'ai pas de Wii U. C'est trop cher. C'est qui apprend ruse? Pikachu? Attendez, une capacité, une attaque capable de toucher un ennemi qui utilise détection ou abri. Non, allez, c'est pas grave. Ouais, bon, en tout cas, ouais, forcément, s'il sort sur Wii U, j'irai pas l'acheter. Mais s'il sort sur 3DS, j'irai l'acheter. Bah, étant donné qu'on a une 3DS, enfin, je veux dire, autant profiter des jeux intéressants quoi, qui sont dessus. Je sais pas, hein, je trouve ça un peu normal. Il y en a combien là de Pokémon? Parce que ça doit être le troisième, ça, non? Ouais, c'est le troisième. Bah écoute, Flamèche. Toi, je crois que t'es poison et insecte. Et en plus, tu brûles, génial. Mur de fer, ça sert à rien. Allez. Voilà, TKO. Tac. Low class monte au niveau 31. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai low class. Il méga évolue, lui. Non, je pense pas. Oh, je suis pas en face de toi. Il m'a vu sur le côté, il est comme ça là. Vijay. Daddy Vijay, please take me to the party. Non, ok, bon. On se concentre. En griffe. Oh mince, j'aurais peut-être dû faire atterrissage. Ça fait quoi, Flamèche? Oh, ça fait pas grand chose. Coup critique, ouais, non, ça fait. Oh là là. Non, ça devrait résister quand même. Écoutez, on va atterrir. Voilà, atterrissage, tac. On se pose au sol, on récupère. Vendetta, on résiste. Corps ardent, je te brûle. C'est super. Et cette fois-ci, on fait quoi? On fait... Attendez, pique-pique, 35. Coupe-vent, 80, je crois. Hein. Ouais, bon, on va peut-être faire coupe-vent. Ça a même... plus puissant que le pic-pic. Embargo, d'accord. Je peux pas utiliser d'objet. Ah, c'est bien fait ça aussi. Allez, attaque. Ouais, c'est bon. Il est KO au prochain tour. Nanana. Phoenix monte au niveau 33. C'est cool. Ninja monte au niveau 34. Plus que 2 niveaux avant l'évolution.
Arcturos. Intimidation. Mmh. Certes. Toi, ça va être Flamèche pour voir ce que ça donne. Même si je doute que... Ouais, voilà, c'est bien ce qui me donne. Allez, allez, brûle-toi, 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 brûle-toi. Non, ça marche pas. Bon, on va changer. Alors, Pokémon, on va amener... Il a fait quoi, poursuite? Bon, alors, peut-être pas amener coup de lame. C'est bien, il n'a pas fait poursuite. Eh, hey, ninja. Engorgement. Je crois qu'il commande son attaque et sa défense. Ah non, l'attaque, l'attaque spéciale, d'accord. Écoute, on va te faire surf. On va voir ce que ça donne, surf. Waouh. Sympa. Oh, mais c'est bon, il est KO au prochain tour. A priori. D'ailleurs, je crois qu'après, je vais manger les céréales trésors que vous avez vues la dernière fois, vous avez remarqué depuis le début des épisodes. Parce qu'elles sont là-bas depuis, je les ai pas touchées depuis le... Je crois depuis que j'ai commencé Pokémon, donc ça veut dire le 11 octobre. Ça fait 14 jours, 2 semaines sans manger les trésors. Ouais, on est arrivé à bon port, comme on dit. Vous avez reçu un message sur votre holokit. Hey, Kalem, comment vas-tu? Rendez-vous devant l'arène, tu seras prête, hein? Bah, si tu me poses pas un lapin comme la dernière fois, je viens. Bah écoutez, c'est ici que va s'achever cet épisode plutôt long. Ah mais je croyais qu'il y avait la ville ici. Écoutez, il y a peut-être un objet caché. Oh, je suis trop fort. Un élixir. Franchement, les bateaux sont vachement bien faits. J'ai tellement envie de surfer, même si c'est pas possible. Donc on va se retrouver donc demain, normalement, 18h30, si tout va bien, en compagnie de Pyrux pour faire la prochaine arène. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cet épisode plutôt calme. Bon, étant donné que je suis un petit peu fatigué, bon, ça se ressent, je suis tout à fait conscient. Mais bon, le prochain, normalement, devrait être un peu plus dynamique, même si je le tourne à la suite. Allez, sur ce, bonne journée ou bonne soirée tout le monde.